En 1996, Chantal Leitzou fait face au plus grand drame de sa vie, la mort d'Alix, son fils, dans un tragique accident de voiture. Une tragédie sur laquelle elle s'était confiée en 2023 dans l'émission 50 Inside. Sa voix rauque et son humour décalé font d'elle l'une des humoristes favoris des Français. Chantal Leitzou est artiste française dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies. Née en 1948, elle débute dans les années 1980, se faisant remarquer pour son talent comique unique. Elle s'impose sur scène avec des One Woman Show et participe à plusieurs émissions de télévision comme La Classe, en 1989. Au théâtre, elle joue dans des pièces à succès comme Nelson aux côtés d'Armel et de sa fille Clémence Anceau. Elle a aussi été vue dans Peau de Vache, ou encore Adieu je reste. 10 et Belle Mergot, où ses personnages excentriques et colorés remportent un vif succès. Au cinéma, elle apparaît dans diverses comédies telles que Alibi.com, Comment tuer sa mère et Nicky Larson et Le parfum de Cupidon, entre autres. Sa voix distinctive et son humour décalé deviennent sa marque de fabrique, la rendant incontournable dans le paysage artistique français. Néanmoins, ce que la plupart ignorent est que, côté vie familiale, la star a vécu un terrible drame en 1996, alors qu'elle était âgée de 48 ans. Quand Chantal Leitzou se confiait sur la mort d'Alix, son fils Chantal Leitzou a vécu une épreuve qu'aucun parent au monde ne voudrait traverser. En 1996, Alix, son fils, perd la vie dans un tragique accident de voiture. Une tragédie sur laquelle elle a accepté de se confier en 2023, lors d'une interview accordée à l'émission 50 Inside. Quand ce drame m'est arrivé, j'étais engagé dans une pièce de boulevard extrêmement drôle qui s'appelle Ma femme est folle. Tous mes camarades ont vraiment tout fait pour que je revienne, et si est-il vrai que ça m'a beaucoup aidé, a-t-elle confié face à Nikos Aliagas. Une aide essentielle, bien que l'épouse de Michel Anceau reconnaisse qu'elle restera à jamais bouleversée par la mort de son enfant. Si est-il toujours en moi. C'est-à-dire que j'y pense tous les jours. Mais la vie est là, la famille est là. Je l'ai surmonté, mais je ne le supporte pas, avait-elle confié en 2021 lors d'une interview accordée à Paris Première. Une plaie qui ne cicatrisera jamais.